Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle LVRL numéro 104. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va pas mal. On se retrouve aujourd'hui avec quelques trucs qui m'ont fait un petit peu réagir, si vous voulez. Je pense que vous savez déjà tous de quoi je veux parler. Je pense que vous suivez un petit peu Twitter. Voilà, et autre chose aussi, on verra ça tout à l'heure. Voilà, aujourd'hui on a vu, enfin moi j'étais en train de faire mes courses quand c'est arrivé, quand les gens ont commencé à vraiment bien en parler, j'étais en train de faire mes courses. Donc autant vous dire que je me faisais chier, donc j'étais souvent sur Twitter. Et je voyais Twitter s'enflammer à propos du Grand Journal. À propos du Grand Journal, qui ont fait une chronique, enfin pas une chronique, mais... Il y avait une espèce de nana qui était là. Et du coup, oula, il y a quelqu'un en face qui, regardez, qui était là et qui parlait des jeux vidéo. Donc du coup, forcément, quand les autres médias qu'Internet parlent des jeux vidéo, même Internet même parle mal de jeux vidéo en général, ça titille toujours un petit peu, tu vois, il y a toujours des petits pics, des petits machins qui sont envoyés dans la gueule. Et je me suis dit, bon, voilà, souvent, quand même, Twitter s'enflamme beaucoup. Des fois pour pas grand chose, et c'est pas forcément mauvais, c'est juste que voilà, on est habitué. Moi je suis. Ça fait quoi depuis 2011, facile, que je suis sur Twitter, donc je commence à en avoir vu passer des dramas, des machins et tout. Je me suis dit, bon bah voilà, ça s'enflamme et tout, bon ok. Et du coup, je me suis dit, bon, je m'en fous en fait, je m'en fous. Enfin voilà, je laisse, machin. Et on m'en a parlé, texto, je regarde, il y a de plus en plus de monde qui en parle, bon. Pour pas me coucher con quand même, je vais quand même aller la voir la vidéo, parce qu'en fait moi là-bas je voulais pas aller la voir la vidéo. Pourquoi? Parce que c'était sur le Player Canal+, et que qui dit Player Canal+, dit ajouter une vue au Player Canal+, et dit bah leur donner de l'argent. Donc du coup, en gros on leur fait de la pub et on leur fait de la thune en fait. Du coup je me suis dit bon bah fais chier, faut quand même que je la vois cette putain de vidéo, faut pas que on va m'en parler, je suis sûr, pas tous les jours, mais là on va m'en parler, je vais aller à la gère tout à l'heure. On va m'en parler, on me voit pas, je pense d'ailleurs, peut-être que j'allume un peu. Ouais, ça changera rien. Donc du coup, je regarde la vidéo. Et là, je fais, ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même, ils nous prennent vraiment pour des sous-merdes, quoi. Je veux dire, c'est... tu le vois carrément, en fait, qui nous méprise. Et qui vous méprise, pour le coup, du coup. Carrément, en fait. Je veux dire, on est... En dessous de là, je pense qu'il y a il y a l'homme... il y a la merde, il y a la sous-merde, et il y a nous, enfin nous et vous, je nous mets dans le même panier, hein. Je pense, voilà, on est à peu près là à leurs yeux et à leur estime, je pense. Et ouais, du coup c'est quand même assez violent. Donc moi j'ai quand même réagi sur Twitter. Bien sûr j'ai pas mis de lien pour aller voir la vidéo, parce que justement j'ai pas envie de leur faire de la pub et de leur faire des vues et de l'argent, parce qu'ils en font bien plus que moi, hein. Voilà, je me suis dit, bon, j'ai réagi parce que c'est quand même, enfin, ça me paraissait important. Voilà, et donc voilà, c'était, enfin, la meuf, elle rigolait, on voyait qu'elle nous méprisait, qu'elle trouvait ça ridicule en fait, elle trouve ça ridicule, déjà, les gens qui font des vidéos de jeux vidéo, ou de stream, parce qu'elle parlait du stream, parlait de Twitch, mais le pire, c'est qu'ils vannaient les gens qui regardaient ça. Ils disent, pour vraiment citer De Cône, parce que c'était sur le Grand Journal, il disait, il faut vraiment avoir rien à foutre de sa vie pour regarder ça. Je veux dire, quand t'arrives à dire ça à la télé publique, parce que c'est sur Canal, c'était pas crypté, quoi, tout le monde peut voir, quand t'arrives à dire des choses comme ça, bon, bien sûr que je sais que c'est fait, qu'il a dit ça, et que tout a été fait, et que tout a été prévu et préfait, et je suis même sûr que leurs répliques de merde sont prévues à l'avance pour faire du buzz, pour faire du bad buzz, mais tant que ça parle d'eux, c'est bon pour eux parce que ça parle d'eux. Donc ça fait de la pub, même si c'est négatif, ça fait de la pub. C'est un petit peu comme Eclipsia en fait. C'est-à-dire que le gérant d'Eclipsia n'a rien à foutre qu'on lui crache sur la gueule. Du moment qu'on parle de lui, ça lui va. Après, faut arriver à l'assumer, ça. Faut arriver à se regarder dans une glace le soir avant de te coucher et te dire je ne suis pas une sous-merde. Voilà, mais ça, faut. Il y en a qui arrivent à le faire. Moi, je pourrais pas. Mais il y en a qui arrivent à le faire. Et c'est exactement pareil
Du coup, pour Canal et pour cette émission, et pour surtout ses animateurs, enfin De Cône et l'autre, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Attendez, je vais vous retrouver le nom, enfin son tweet. Mathilde Serrel. Voilà, Mathilde Serrel, qui vraiment. Je vous invite même, enfin je vous invite pas à aller voir la vidéo, mais quand même si, enfin en fait si, au final si, parce que c'est vraiment affligeant, enfin bref, c'est vraiment affligeant quoi. Enfin ça m'a vraiment saoulé en fait, ça m'a vraiment saoulé, et voilà, mais ça changera rien, en plus ça, le pire, c'est qu'on a beau être outré, j'ai vu qu'il y en avait qui avaient fait des lettres ouvertes, des machins comme ça, on a beau être outré, ou je sens même venir le coup des pétitions, parce que dès qu'il y a un truc qui va pas sur internet, bam, on lance une pétition quoi. Et je sens vraiment le coup venir qu'il va y avoir une pétition de lancer, bref. C'est ce qui ne changera absolument rien. Hein. Si ce n'est leur faire de la pub mauvaise, mais de la pub quand même. Et voilà, et du coup ça va se tasser pendant 2 jours et c'est reparti après quoi. En gros ça va être ça. Mais voilà, c'est quand même, c'est un sujet d'actualité, j'ai envie de vous en parler sur cette LVRL. Parce que moi, bah, je regarde pas la télé, donc j'étais pas au courant de ça, enfin je regarde jamais la télé. Donc, à part en vacances, putain, et l'autre fois d'ailleurs, en parlant de ça, c'est là que je vois que j'étais vraiment en vacances et que du coup, pour le coup, cette soirée-là, on n'avait pas grand-chose à foutre. J'ai demandé à mon pote, j'ai fait, y'a quoi à la télé ce soir? Cette phrase-là, j'ai pas dû la sortir depuis que j'ai 16 ans. Au moins 16 ans. Y'a quoi à la télé ce soir? Je me suis même fait rire tout seul en le disant parce que j'ai fait, waouh, putain, c'est moi qui, vraiment moi qui dis ça. Enfin voilà, et du coup bah j'étais pas au courant qu'il y avait eu cette émission et qu'il y avait eu ça, du coup heureusement qu'internet est là aussi pour relayer les infos entre autres. Et voilà, donc bah dites-moi un petit peu vous ce que vous en pensez, même si je pense que globalement on sera tous d'accord là-dessus, hein. Je pense que vous êtes tous des viewers, mes viewers entre autres, donc vous allez, je suppose, être de mon avis, enfin vous êtes un peu outrés aussi de comme moi, parce que bah ils parlent, en plus là c'est même pas, bon, ils parlent de ceux qui se font de la thune en faisant des vidéos de jeux vidéo, machin, tout ça, on commence à avoir l'habitude, ça. Ok, voilà, c'est pas, enfin, voilà, c'est, oh la vache, ils arrivent à faire de l'argent en restant assis en se jouant à des jeux vidéo, machin. Bon, ça, on a l'habitude, maintenant, c'est bon, c'est ancré. Mais qui s'attaque aux gens qui regardent, aux gens qui se divertissent en regardant ça, là, c'est pas l'une, je pense que c'est l'une des premières, en fait. C'est pour ça que c'est assez intéressant... À voir, je pense qu'en fait la télé commence à voir que. Bah. Qui, voilà, c'est plus vraiment eux les numéros uno, tu vois. Et ils essayent de piquer un petit peu là où ça fait mal pour faire du buzz et pour dire hé, on existe encore, regarde. Voilà, enfin, c'est. Il y a une citation comme ça, alors je vais la foirer parce qu'en plus je la connais pas vraiment. Mais je crois que c'est dans Kaamelott, cette citation, où en fait il dit. Alors, je vous la... Voilà, ça sera pas la vraie citation, mais en gros, il dit... En gros, je crois que c'est le poisson qui meurt fait plus de bruit que... Enfin, je suis en train de niquer la citation, c'est horrible. Bref, en gros, c'est pour dire que... Je dis pas qu'ils sont en train de mourir, la télé, mais c'est en train, en tout cas, de bien baisser, ou en tout cas, Internet, de bien monter, les streams et tout. Et du coup, les gens, je pense, regardent moins la télévision et allument plus leur ordi ou leur tablette ou leur téléphone pour regarder des streams de jeux vidéo ou d'autres, d'ailleurs. Et que du coup, ils se disent, merde, fais chier, quoi. Donc du coup, ils se débattent et du coup, ils essaient de faire un peu de bruit. Moi, je vois ça un peu plus comme ça. Bref, voilà, c'était la petite analyse du jour. Il y a un truc qui sonne, non? Non, ça va. Et du coup, aujourd'hui, moi, j'ai repris le sport parce que, putain, j'ai fait une semaine de gros tas, hein, de gros porcs. J'ai fait... Dans la semaine, j'ai fait 2 burgers, mais 2 burgers, resto burger, des vrais trucs où tu te pètes le bide, c'était trop bon. Donc 2 resto burgers, 2 McDo, j'ai fait quoi? Bon, des gaufres, ben voilà, des trucs de gros porc de vacanciers, quoi. Et j'ai pas fait de sport une seule fois dans la semaine, parce que j'avais oublié mes chaussures. Et en fait, je voulais courir sur la plage, mais la plage à Barcarès, c'est une plage un petit peu spéciale. Déjà, le sable est pas agréable du tout. Quand t'es pieds nus, mais ça, bon, à la limite, ça aurait pu se contrer. Mais en fait, moi, j'ai l'habitude des plages, vous savez, vous avez donc la plage avec le sable sec, un bout de plage avec le sable humide qui est un petit peu tassé, vous voyez, et l'eau. Voilà, une mer classique, hein, une plage classique. Et ben là, à Barcarès, c'est pas comme ça. T'as la plage de sable sec et l'eau. En fait, t'as rien de... C'est trop bizarre, ça, d'ailleurs.
Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de marée, enfin, il n'y a pas de marée, ou ça, enfin, c'est un peu spécial. Et du coup, il n'y a pas de... Ouais, bah oui, parce qu'il n'y a pas de marée, en fait. Oui. Du coup, voilà, c'est tout con, en fait, c'est comme ça. Mais du coup, je m'y attendais pas, je pensais, moi, pouvoir courir sur la plage, torse nu, tel un étalon américain, sur le sable humide, tassé, pour pas que tu te défonces les chevilles. Mais non, du coup, j'ai pas pu, donc déçu. Et du coup, j'ai pas pu faire de sport du tout de la semaine. Et puis après, en même temps, c'est vrai, je me suis dit, bon, mec, t'es en vacances, profite un peu, là, Osef, tu reprendras ça après, machin. Donc, évidemment, faut pas se laisser abattre. Et j'ai mangé des bonbons, des machins, des Oreos, des conneries. Donc, voilà, maintenant, je me remets en mode normal. Là, j'ai mangé mon... Alors là, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis pris un onglet Charal. Ça déchire, franchement, ça déchire. J'ai trop kiffé. Bref, et du coup, voilà, je me remets bien. Je me remets bien. Et ce soir, ça va être long, c'était le virel. Ferme-la une vie. Ce soir, je vais à l'ouverture. Oui, l'ouverture. Le lancement, plutôt. En fait, Gaming Room Nitro Cert, plutôt. Enfin, le groupe avec qui je travaille lance aujourd'hui, ce soir, à 20h, une nouvelle web TV qui sera pour les filles. C'est pour les filles, d'accord ? C'est juste les filles, d'accord ? Ok ? No way, no way. Non, en fait, c'est, ouais, si, c'est, en fait, c'est vrai, si, c'est pour les filles. Mais bon, les mecs peuvent en regarder s'ils veulent un petit peu se... Enfin, regarder. En gros, ça sera... vous savez, les filles qui font des tutos YouTube, make-up, maquillage, machin, moi j'y connais que dalle, mais ça marche bien. Et du coup, ils lancent une web TV sur ça, en fait, où les filles vont pouvoir, je suppose, faire un peu ce qu'elles font sur YouTube, mais en live. Et du coup, je trouve ça vraiment intéressant parce que je suppose que... Il ne devait pas y avoir beaucoup de filles qui me regardent, mais je suppose qu'il doit y avoir des filles qui aimeraient bien avoir des astuces, mais pas d'astuces, genre en commentaire, où il faut attendre 1000 ans, voire pas du tout, pour ne pas avoir de réponse. Ne pas avoir de réponse, plutôt. Et du coup, en live, je me dis qu'avec un chat, je pense que ça peut vraiment bien marcher, où les filles elles feront leur masque, ou elles feront leur couleur de cheveux, ou je sais pas quoi, d'ailleurs, ce qu'elles font. Et du coup, il y aura le chat pour interagir directement avec les autres filles, machin et tout. Et je trouve que l'idée est bonne et je crois que ça n'existe pas encore. Du coup, ça s'appelle girlsgirls.tv. C'est ce soir à 20h. Bon, j'en fais la promo parce que j'aime bien les trois filles que pour l'instant j'ai rencontrées. On s'entend bien, on se marre bien. Et du coup, moi je vais être là-bas aussi parce que ça se passe pour l'instant dans les locaux de la gaming room. Nous squatte notre truc, c'est n'importe quoi d'ailleurs, quand on en parle. Ça se passe à 20h, donc girlsgirls.tv, il y a girl avec un S. Encore une fois, donc girlsgirls.tv, 20h, et je sais pas si vous me verrez, mais si vous avez envie d'être curieux, de voir un peu à quoi ça peut ressembler. Alors les mecs, par contre, s'il vous plaît, calmez-vous, hein, je sais, il va y avoir des filles à l'écran, d'accord, hein, putain, des filles, calmez-vous, ce sont des filles, pas besoin de vous, hein, ok, on se calme, on reste courtois dans le chat, on reste poli, nous faites pas passer pour des gros bolos comme je peux faire parfois. Non mais voilà, juste être tranquille et pas faire les mecs en chien en 2 secondes, genre monte-moi tes bouses, machin et tout, enfin voilà, soyez cool quoi. Soyez cool si vous venez regarder ça, et du coup moi je vous dis à demain, et je vais faire partir dans... je ne sais pas quoi. Dans quoi d'ailleurs? Dans une bouteille. Bon, on peut pas voir ça. Putain, je sais pas. Bon, je m'en fous, allez, un truc, un briquet. Non, j'ai déjà fait. C'est pas grave. Une bougie, tiens. J'ai déjà fait une bougie. Oui, je crois, mais c'est pas grave. Bon, allez, je vous dis à demain, les amis. Prenez soin de vous, jouez bien. Ciao tout le monde!